Bonjour YouTube, disait Pardival. Bonjour YouTube et rebonjour pour de nouvelles aventures sur la Archifranc Givray. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait là? Je sais plus, on fait un grand tour, c'est alors, comment? Alors, moi il fallait que j'aille ouvrir un truc dans l'armurerie. Ouais, ah oui, ah, donc on t'attend en fait, c'est ça? Tu vas ouvrir un truc dans l'armurerie. C'est ça. Vas-y, regarde. Donc régénérer votre vie que vous ne pouvez pas. Non, sans blague. Ah bon, bah écoute, je ne peux pas utiliser le... Tu peux utiliser la clé d'armurerie? Non, je peux pas l'utiliser. Tu l'as bien? Ouais, je l'ai. Comment ça? La clé de l'armurerie. Ok. Bon bah voilà. Ah, les dégâts de froid, oui, c'est vrai. On y ramène, s'il vous plaît, chaton. C'est un troll, il est gros. Et il a surtout une tête de cochon. Très joli. Ah oui, c'est vrai, on était tous passés des PS là. Surtout que le gel, ça fait des dégâts supplémentaires. Très joli. Il a mis 200 PV dans la tronche, il a rien compris. Le pauvre petit. Tiens, ça c'est du coup stock qui récupère. One turn. Allez. Oh, 18 balles de prime, c'est beau. Hein. On l'a one turn, le pauvre. Ah ouais, on allait accrocher du corbeau, voir ce qu'il y avait. Ouais, racheter des barbes de Deus, parce que ça s'était mal passé, on se rappelle. On se rappelle que ça s'était pas forcément très violent. Bien passé. Je vais nous augmenter. Ah, hop, rehausser une case. Le nounours. Oh là. Oh là. Ouais. Moi je vais taper le cube. Vous pouvez taper le cube hein. Parce que moi de toute façon il fait des renvois de dégâts, j'aime pas trop. Ok. Ouais. J'aime pas ce qui va se passer. Motep ça va. Motep ça va. Ça va, ça va. Ah, est-ce qu'il va améliorer? Cool. On les touche, ça a une chance sur 3. Cool. Bah yes. Non. Je peux pas bouger, vous m'avez refroidi. Aïe. Bon, voilà, du coup on va taper. Hein. En plus il perce. 77% de chance, hein. On va peut-être éviter. Non mais fais des attaques de base, ça passe bien. On est d'accord. Oh, c'était quoi cette idée? Mais toi le chaton là. Du coup je finis le cube. Ouais, je finis le cube, t'es caté. Okay. Pardon. Ah oui c'est vrai, t'as 93 déjà. Ah ouais! D'accord! C'est pas, ça commence à ne pas être trop mal, hein. Commence à coller des bonnes baffes, le guerrier. Ouais, j'ai presque autant de pièces que lui qu'en deux combats. Tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu le fasses. Quelqu'un la veut ou pas? Moi. Non, bah t'inquiète, hein, si on se. Non, on s'en fout. Est-ce si on se manifeste pas, c'est qu'on s'en fout. Ok. Je vais mourir de froid. Adieu mes amis. Aïe. On m'avait abandonné comment ça? Là tu me rapatries. Jamais. Ouais t'es caté, c'était prévu au programme. Moi je nous verrais bien faire un petit tour par le nord, qu'est-ce que vous en pensez? Après il y a toutes les terres intérieures hein, qu'on n'a pas osé visiter parce qu'on perd des points de vie. Ah, il nous faudrait la bonne tenue adéquate. Ah t'aurais dû aller en ville Pardy par contre. T'as raté l'occasion de jouer de la musique. Et ce que t'as raté aussi comme occasion, c'est d'aller voir une auberge. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je peux acheter bottes de fourrure.
Alors vous idéalement il vous les faudrait hein. Ouais. Moi je sais pas ce que j'ai Ah non, moi j'ai de la puissance. Ah c'est hors de question. Vas-y, je te donne ça. Yes, ça marche, merci, les prochaines sont pour toi. Oh y'a enfin, le pro Ben hein. Dans mon Ben. Ouais ben, mais hein. Il demande trop de succès. C'est vrai. Je te ramasse ou je te laisse sur place? Ramasse moi s'il te plaît. C'était ramassé. Il demande vraiment trop de succès. Je vais juste nous décaler léger. Genre léger là. Tu feras quelque chose de, d'inconnu. J'ai gagné des bottes en fourrure. Mais non mais j'ai déjà les bottes. Merde, de la force. Putain, j'ai fail, pardon. Donne-les à partie qui ses équipes. Trop tard. On va d'abord combattre la bête des neiges. Ouais, comment dire, j'ai pas trop envie qu'il meure. Bah c'est son problème. Vous savez qu'à être un chat. Voilà, il va le tuer et on n'en parle plus. Voilà. Ouais. Toi, tu voulais qu'il meure? T'es méchante. Ah bah tiens. Ah bon, je crois qu'il l'a déjà, hein. Mais Je sais pas. Non, j'ai la veste élégante, j'ai deux tailles en dessous. Oh. Deux tailles en dessous. Deux tailles en dessous. Il est dans du 12 ans, le mec. Ah non, c'est bon, tu me les as pas envoyés, moi j'ai un 10, c'est le jeu qui m'a mal affiché le truc. Oh cool. La grotte de l'ancien. Ah oui, il fallait qu'on trouve le Caillouman. Le caillouman qui va popper. On trouve tout sauf le bon. Je te ramène ou pas, Knarfin? Non, 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 justement, je vous ramènerai pour taper le Caillouman. Oh. Oh, joli, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, plus besoin d'auberge. Et tu reviens, et puis au pire, remonte-nous au niveau de la grotte, hein, comme ça on est. Ouais, c'est ça, commence à remonter au niveau de la grotte. Encore, hein, vas-y, monte, ma grosse. Hein. Je vais nous ramener, on embrouille. Vas-y, avance, hein. Vous pouvez avancer, allez-y. Bah, je vais te ramasser, comme ça tu perdras pas trop. Non, non, c'est en fin de tour. Non, non, je perds rien, je perds la fin de mon tour. Ah vas-y, embrouille-toi, hein. Avance encore d'une case, c'est pas perdu, et puis tu peux embrouiller, bon, trop tard. Too late. Flat. J'avais déjà lancé le second. L'ancien. Ah, le sablier. Le sable. Ah oui, le fameux sablier qui permet de jouer un petit peu plus vite. Pour toi. Non, mais blaste-le, arrêtez. Ah oui, ah non, il a 12. Ah oui. L'a-t-il ? C'était ridicule. 86%. C'était ridicule. Oui, je vais pouvoir faire des trucs débiles comme un vrai chat. C'est mon groupe. Merci. Merci. Ouais, merci la petite niveau 3. Oh putain les gars. Oh, elle va pouvoir commencer à faire des choses stupides. Et comprend bien que vu son inventaire, elle peut en faire des trucs stupides. Ne fuis pas. Quand il a décidé de taper. Bah, l'avantage c'est que je peux pas faire beaucoup de choses stupides, hein. Je peux fuir et taper. Mais sauf que j'ai 3 options pour taper. Et une seule option de fuite. Donc ça va, j'assure pas mal le truc. Tiens. Par ici les vaisseaux. Alors, qui va équiper ça? Bah toi, monsieur. Eh. Ça t'a un bonus de mouvement. Et t'as 10 attends, de j'ai quoi moi? Ah, j'ai la plaque d'armure. Ah, c'est accepté. C'est complètement accepté. Attends, avant de... Tu peux me ramasser. C'est ce que j'allais faire. Merci. Et on régène 2 points de vie. Merci. Et tiens, je te donne la placasse rouillasse. Merci. Il va falloir aller à l'intérieur des terres maintenant. La table de pierre. Ouais, mais faut faire. Oui. Voilà. Faut se défendre contre ce vil pillard. Sinon, les mots de l'érudit, c'est pas pour les collectionner, hein. C'est faut les consommer, hein. Ok. Je voulais vous filer de la thune pour que vous alliez monter vos pipes.
Je suis un peu en avance par rapport à vous. Ah, c'est pas tant que ça en fait. Bah, elle est salée, hein. D'accord. Ça va, toi? Tu crois qu'il se sent bien en face? Je sais pas, mais enfin, moi ça va. Vous savez que si je reste là, je meurs. Ouais, allez, reviens dans le bateau. Je suis obligé, j'ai pas le choix. J'ai récupéré quoi que... Ah oui, de l'argent. C'est... Aucun intérêt, ce n'est pas de la pâtée. Va falloir peut-être payer une chambre à l'auberge, toi. Hein, bah, il faudrait qu'on trouve une auberge. Je fais quoi? Je continue de me déplacer ou... Faudrait explorer quand même dans les terres, les gars. Hein. Parce que là, là sous prétexte de froid... Je vais y aller, c'est moi qui régène davantage. T'as expié tes bottes par Zip pour régène? Oui, j'ai mes bottes en fourrure. Ah, j'ai oublié de lancer le chrono, je crois. Ouais, ça, l'épisode sera beaucoup trop long. Parfait. Ah, oh, c'est pas grave. Ils ont l'habitude. Ouais. Ah, de toucher à ton casque, toi, je te tape. Ah, de toucher à ton casque, là. Eh, laisse-moi me moucher, tranquille. Non, j'ai pas envie. Okay. J'ai pas envie. Et je me disais, sinon, une chose qu'on peut faire, c'est que je peux aussi claquer une bourse de Bibidou s'il faut dans le désert. Bah, écoute, on va continuer d'avancer, on va aller voir la table de pierre. Peut-être que ça nous donnera quelque chose d'intéressant. Là, j'ai l'impression qu'il va faire très froid d'ailleurs. Vas-y, on va sur la table de pierre et au pire, t'enlèves un fléau. Hein. Un fléau ou une vie? Ah, bah non, une vie. Une vie, ok. On s'en bat les couilles, frère. Le fléau, on va tous les taper. De toute façon, on a tapé la plus importante, c'est l'autre pute. Ah oui! Ça, c'est l'entraînement, ça, c'est pour Ange. Ouais! C'est pour Ange Zimmer. Moins 5! Ah, moins 5 de froid, commence à faire un peu frais, les enfants. Alors, je te ramasse. Je vais là. Entraînement. Alors, je taperais bien un plus 2 de vitalité pour augmenter mon pool de PV, en vrai. Mais on va faire du plus 2 d'intelligence parce que je suis pas très haut non plus en intel. Oh! Est-ce que je ramène? Bah vas-y hein, clairement on y va. Vas-y, hein. Vas-y. À part si y'a pas le niveau, hein, j'ai pas regardé. Niveau 5. Par contre, j'en connais pas. On y va. On va pas apprécier. De quoi? Un PV. Oh, bah ça va bien se passer. Ok. J'ai pas de sanctuaire moi. Ah bah c'est moi qui joue en premier en plus. Tiens la grosse blague. Bah t'as plus de bonjour madame. Ah t'as ça je la tue pas si je le fais. Je peux vous faire des tas de choses madame. Recte là. C'est raté. En fait je fais un point de vie pas assez. En fait pas un dégât de moins. Bon bah je pense que ça va être ça. Hein. Par contre, tu collectionnes les moules érudits ou tu dois te passer ton niveau 7 un jour? En fait. Ah, parce que si t'en veux pas, moi je le prends. Hein. Ouais, moi aussi je le prends si tu veux. Le problème c'est que nous on n'a pas la pipe niveau 3 donc ça nous sert pas à grand chose. Oui, je sais. Il y a une raison pourquoi je les collectionne, monsieur. Ah bon? Bah, moi j'aimerais bien la connaître. Quand je suis dans la merde et que je suis pas loin de passer mon niveau. Ouais, mais avec les deux, normalement tu passes ton niveau là, non? Oui, mais je suis pas dans la merde là. Bah, tu claques tes deux points et tu seras dans la merde. Bon, moi je vais taper sur ce truc là. Bah, c'est ça qu'il fallait que je fasse à la sorcière, mais bon, c'est pas grave. Tape, c'est le droite. Lui là? Bah oui. Il a de l'armure. Bon, même s'il peut passer au travers, mais. Mal, même un effort hein. Là il était gelé. Voilà.
Bon, je te rattrape, hein, niveau pesos. Nice. Oh là là. Ah putain, c'est vrai, Jean. T'as pas une. Une Panax par hasard? Non, j'ai pas de Panax, c'est ça. Ah yes. On a zéro Panax, c'est bizarre. Non, mais TKT, ça va bien se passer. Je vais te filer une barbe de dieu. C'est une Panax Lex. Une barbe de dieu te donne combien? Et le mood de l'érudit te donne combien, s'il te plaît, Narfang? J'en sais rien, moi, que dalle. Que dalle, j'ai pas de pipe. Bah, dis-moi. Combien 15 te donne... Ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux que tu fasses un soin de groupe. Ouais, et le Panax te donne combien, s'il te plaît? Mais que dalle aussi, genre 12. 12, bon bah renvoie-les-moi. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il faut la pipe niveau 3 coûte une blinde. Ok, c'est bon, pas. Bah... Là, c'est soin de groupe, hein. Bah oui. Quelqu'un de talentueux, s'il vous plaît. De vigilant. Ah. Ah bah, c'est pour moi. Bah, c'est toi qui es vigilant. On est des débilus. Claque tout, hein. Claque tout. Voilà. 80, toi, 600. De quoi? Y'a pas, tu claques tes niveaux. Non, non, mais tu désamorces là, tu fais quoi là? Et après, je vais passer mon niveau. Voilà. Tu seras fou, point. Et t'auras plus de PV. T'auras plus de PV que le tank du groupe, au passage. Ah, ouais. T'as ramassé d'herbe, mais on sait pas c'est quoi. Herbe de l'ermite. Bah voilà. Prêt. Ah bah tiens. On aurait su. Eh bien, pour toi, soin total du groupe. Bah oui, carrément. Magnifique. Ah yes, en plus ça m'enlève mes... Oh, trop bien. Ah ouais, soin total. Ah, c'est total, hein. C'est total, là t'as la crème anti-ride, anti-gel et tout, là. C'est la totale. Et la crème anti-bronzage, carrément. L'auton bronzant et la crème anti-bronzage. Ça n'a plus de sens. Oh, toi, mon pote. Alors, sur quoi que je tape? Toi, monsieur. Ah, c'est un point de vie. Un peu plus. T'as une attaque de zone par vie ou pas? Je... Non. Bon, bah je termine lui alors. Allez voir l'avantage. Joli. Non, non, sinon, j'ai pas de... Sinon, n'oublie pas que Party peut le faire puisqu'il perce l'armure. Au pire. Oui, bah après... Plus de patates. Ah non, 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 plus de claques. Bah oui, c'est ça. J'aime beaucoup l'idée. Ça augmente de combien? Plus 10, c'est ça? Alors, je sais pas, non, c'est plus 6. Ouais, c'est non, 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 c'est moi je fais du 45 de base avec ma grosse attaque et je suis passé à 59. Ah, ok, d'accord. Plus 14. Et voilà. Par contre, je vais oui, pas taper sur celui qui renvoie les dégâts. Hein. Je vais taper sur le cloche. Voilà. Un OS, un. Un deuxième, ouais. Et voilà. Tu comprends sympa, pourquoi ça. Ce bon jeu il est trop fort. Récupéré. Yes, pas mal. Ouais, mais j'ai toutes les immunités. Ouais, je sais. C'est un choix. Carrément. Les immunités c'est à la confusion aussi, c'est cool. C'est toi qui vois. C'est une question de choix. Plus de chances de taper, plus de chances de ne te donne, mette pas cette putain de malédiction. Ouais. Après, Après, si à 87% t'étais bien, c'est toi qui vois. J'étais pas bien, justement, j'arrivais pas à avoir tout le temps. Hop là. Il est où Deimos en fait? De quoi? Il est où Deimos? On l'a vu, il est vers le village qu'on n'a pas libéré. Mmh. Bah pour toi, pardon, si tu... Oh, bah pour toi, chaton. Non, parce que je perds de la force. Ah, tu perds de la force? Ouais, je perds de la force et j'en ai besoin. Trop, je perds 3 de force.
3. Tu gagnerais 4 de résistance. Ouais, je gagnerais 4 de résistance. Et je retrouverais de l'intelligence. Mais je sais dans quel sens on tape avec un couteau. C'est tout ce qui compte. Voilà. Bah, je récupère. C'est que quand la barre de fer elle est pas affûtée, je sais comment mieux l'utiliser. C'est-à-dire faut faire plus de pompes. Ça t'a plus de muscles. Et tu tapes plus fort avec la barre de fer. Attends, mais il y a 4 villages qu'on a. C'est quoi ça? C'est les formes de vie inconnues, c'est ce que fait popper Deimos. Donc on va affronter des monstres aléatoires qui sont tous des monstres du chaos. Ah non, pas tous des monstres du chaos. Ah! Ça peut être aussi des merdes. Donc en j'ai général, 12%. C'est des rencontres qu'il faut éviter de faire parce que les mecs sont très forts en général. Voilà, je te le dis juste. Nous aussi on est très forts. On ne jouera plus. Jamais. Vous préférez quoi, l'attaque ou l'esquive? Moi, honnêtement, l'attaque. Hein. Oh my God. Ouais, ils font mal les jompis, hein. Ouf. À ce qui paraît, elle a continué à hurler dans l'au-delà. S'il vous plaît. Nice. Par contre, on fait des bonnes grosses thunes. Ah, j'ai pris mon niveau. Putain, intéressant. Plus de flouze. Plus de flouze. Plus de flouze. T'as déjà? Ou pas? Bah, je sais pas, j'attends de. Ah, il connaît pas son stuff, ça fait plaisir. Si, je l'ai déjà. Mm-hmm. Non, mais c'est que je change tellement de perso et de stuff que je sais plus. Ça, c'est problématique. Parce que là-bas. Mon casque, 2 de force. 4 d'armure. Est-ce que tu trouves des choses intéressantes? Il y a des moules de l'érudit, hein. Achète tout. Hein. La bourse de Mimidou, faudra l'acheter. J'ai plus assez de thunes. Ouais. Le ukulélé, tu le veux? Non. D'accord. La dague solide, tu le veux? Non, bah, c'est beaucoup moins fort que ce que j'ai. Hein. Le casque, tu le veux ou pas? C'est pas inintéressant, je te cache pas que c'est pas inintéressant, surtout sur la carte sur laquelle on est. Je veux t'acheter ça. Mais je perds 2 de force, mais ouais, ça peut être acceptable. Ça peut être acceptable, ça peut être accepté. Bien sûr, Parzi, t'as pensé à vendre tes objets, évidemment. Bien sûr. Ça peut être acceptable. Attends, il faisait quoi, entre autres? Il faisait... Bah du coup, j'ai oublié. Il faisait de la résistance à la glace, j'ai pas tout lu. Immunité au gel, plus 2 d'armure, plus 2 de résistance, 20% de dégâts contre la glace. Et 1 de régénération à la santé et 3 de vitalité. Ouais, c'est pas sale du tout. Hein. Et bah finalement on va aller à Dragonholt par l'éther, hein. C'est très rigolo. Mais là va falloir passer les deux formes de vie là. Une seule suffira, donc obligé de passer les deux. Obligé de passer les deux. Donner. Je vais te donner rien d'autre parce que y a rien d'autre. Bah au pire les gars, moi je veux pas être chiant mais on les utilise jamais donc regarde. Tac. Une petite bourse de Mimidou ça se fait hein. Ok. Voilà. Vous avez utiliser là, le... Tu peux l'utiliser. Tu fais un clic gauche sur ta position, tu vas pouvoir utiliser le campement. Alors je sais pas si je peux utiliser avec un portail en même temps. Ah t'as fait un portail? Oui. Ah, t'as fait un portail. Ok, j'ai rien dit. T'as gardé la brousse de Mimidou du coup.
pose ta bourse de Mimidou. Voilà. Et je fais quoi, repos, méditer? Bah tu fais ce qui t'arrange, repos c'est dormir, récupérer des points de vie, méditer c'est récupérer des points de concentration. Bah tu sais quoi, repos, voilà, 61. Voilà, voilà. Et tu vois, comme une auberge, ça te rend quand même quelques points de concentration. Ouais. Hop, le portail qui est utile. Et tu viens te mettre là. Et tu vois là. Ce campement qui nous met bien. Ouais. Hop, je fais un petit repos, on attend Parzi, tranquille. Je prends le petit épée. J'aime beaucoup le parchemin de portail, moi. Ah, le parchemin de téléportail est vraiment cool. C'est pour ça que je dis que les parchemins de téléportation servent à rien, en fait. Parce qu'ils servent qu'à toi. Il n'emmène pas les autres, faut en consommer 3 si tu veux, on va dire, déplacer le groupe, alors que le portail, pas 1. Et puis en plus, si tu veux faire demi-tour, après tu peux. Voilà. Donc là, par exemple, tu peux embrouiller le cristal, ou le village, ou ce que tu veux, embrouille ce que tu veux. Le village. Ouais, ouais. Comme ça régénère plus vite les villages, on est d'accord. Allez hop. Combat. Faut moche. Ils sont pas, je te permets pas. Sont moches leurs bâtons. Ils sont des bons bâtons de troll. Bah c'est quoi le problème? T'es belle avec ton casque. Je joue plus le vert, je joue plus le bleu lequel. Celui que tu veux. Ça fait 1% de dégâts contre eux, ça va être drôle. Allez. N'hésite pas à claquer tes points, tu feras une méditation après. Hein. Bah en vrai, pas besoin d'en faire. Hein. Oui. Mais tu vois, moi par exemple, je vais tout claquer sur ces 3 combats, parce que vu que je suis sur le camp d'Amadou, je ferai une méditation et je vais tout récupérer. Ouais. Pardy peut faire pareil, hein, parce que le campement il est encore là pendant 6 tours. Donc, Je continue hein. Vas-y, on embrouille tout. Hein. Vas-y, on massacre tout le monde là, y'a aucune pitié là, là on a la bourse de 2012, c'est l'infini hein. Ah ouais bah... Ah ouais, tu joueras après ce combat là, hein, visiblement. Ouais. Hop. C'est bien d'avoir 30% de dégâts supplémentaires contre... C'est le plaisir. Attends, bouge pas, je te recommande ça, moi, ma main. En vrai, y'en a pas besoin, là, on les one-shot tous avec la force de... Non, pas moi. Vous, oui, mais moi, non. Je gardais les points pour le prochain. Pas de soucis. Oh là, tu ne comprends par contre avec ça, hein. Par ici les pesos. Ah, alors là par contre, je vais prendre. Ouais, en sachant qu'il y a la version du dessus, qui est très intéressante. Ouais, ouais. Ne m'intéresse pas. Récupérer. Yeah. Ouais. Allez. Dernier combat. Ah! Le nanache en polaire? Ok! Merci! Grosse résistance magique, Fodios. Nounours, tu peux saigner partout. Oh, genre ça a raté, genre! T'as pas une attaque de groupe, toi, qui brûle? Ah non, c'est sur l'autre. Non, non, pardon. Ça me met qu'à 82% en bas. Là, c'est déjà bien. 80%. Ne me regarde pas comme ça. J'aurais dû tuer un autre. Bon. Ok. J'aurais pu mourir sans ce move là, j'espère que vous en avez tous conscience. Oui, oui. Ah ouais, je sais. 31, c'est pas assez. Quoi? Vous savez, j'ai plus 93%, maintenant j'ai 0% quoi. Yes. L'honnêteté d'un jeu, ça fait plaisir. Je place ça, je préfère éviter que tu ne meurs. Tu peux pas buter le mètre 45? Non, bah non, je fais que 22.
Si on se prend d'esquiver. Allez, ça passe. Oui. J'avoue, on s'esquive. Ouais. Bah ouais. Les esquives sont présentes. Vas-y, finis celui-là, on bute le. La dernière. Ouh, c'était ric-rac. C'est passé. Allez, 100% c'est 100%. C'est vrai que le casque est bien, mais le fait de m'enlever de la force, ça fait que sa grosse attaque passe pas. J'ai bien fait tout claquer. Hein. Herbe de l'ermite. Bah tiens, garde-le. Idéalement, faudrait que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'esquive qui l'utilise. Genre toi ou Pardzi, quoi. Ouais. Ah, Pardzi qui collectionne les petites herbes. Petite weed. Bah ouais, on va pas se changer. Hein. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent, s'il te plaît? Quel argent? Merci. Est-ce que tu pourras prendre la quête de Mimidou? Oui, il n'y a pas de souci. Il y en a même une ici, 210. Aïe! J'apprends. Hein. Après, tu feras tourner un peu les thunes qu'on puisse acheter d'eau pipe. Les Panax, ouais. les Panax. Ah ouais, Panax, important. Deuxième botte de fourrure aussi. Ouais, mais non. Pour moi, non. Bah, prends-les pour toi si tu veux. Je peux plus, j'ai plus d'argent. Plus d'argent? Quoi déjà? Ouais. Bah oui, j'ai pris les trucs importants. Bah yes. Mais t'as rien à vendre? Ah si, j'ai des trucs à vendre. Mais attends, mec. Qu'est-ce que... Quoi? Pourquoi nous vendre des tas de trucs? J'en sais rien moi. Bah vous avez cliqué trop vite. Potion mystère de héros en bronze et le livret à grand sanctuaire de la prospérité. D'accord, il faut qu'on aille trouver le un héros en bronze. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que ta quête annexe? D'accord. Ouais, vas-y, vends. Hein. J'espère que Pardzi, tu lui as filé. Pardzi, file-lui toutes tes merdes, s'il te plaît. Botte de guerre, ça dégage. Médaillon terminé, ça dégage. C'est Pardzi, garde le stuff, hein. C'est un gros crevin. Botte de danseur, ça dégage. Mais non, botte de danseur, j'en garde une paire, tu vois. On sait jamais, ça peut toujours être utile en combat, tu vois. Avant de. Les parchemins de purification, tu peux vendre, hein. S'il n'y a pas de, y a pas de corruption ici. Panax, ça dégage. Je déconne. Je récupère 90. Tu récupères une Panax quand même, hein. Je récupère une Panax, pas beaucoup. Ouais, récupère quand même une Panax. Et vos pipes? Récupère quand même une Panax. Qu'on ait 3 Panax, ça serait bien quand même. Okay. Bah ouais, une chacun, pas de jaloux. Voilà. Parce qu'il y a aucun d'entre nous qui a l'immunité, entre autres au poison. Bah c'est qui joue le prochain? Toi, donc je vais te filer tout l'argent. Et yes. Moi je vais retourner au campement. Méditer. Sur ta vie. Méditer. Voilà. C'est beau, hein, concentration pleine directe, c'est quand même classe. Les villes ont été réinitialisées. Ça fait qu'il y a à nouveau des barbes de dieu. J'achète la pipe. Ouah, le lutte en fer. Je vais vendre mon ortie d'encens pour essayer d'avoir l'argent pour monsieur. Oui, mais le lutte de fer il coûte beaucoup trop pour toi. Ah. Ouais. Je t'envoie les sous, essayez de vendre s'il faut vos herbes de l'ermite pour qu'il ait sa pipe au moins une bonne fois pour toutes. Non, c'est bon, ça y est, je l'ai ma pipe, hein. C'est 24 niveau 1, c'est bon, j'ai. C'est 24, c'est bon, tu l'as? Ok. Oui, monsieur. Ah, voilà les 28. Est-ce que je claque les 5 mots de l'érudit au prochain tour? Tu fais comme tu veux, comme tu le sens. Ça te fait passer un niveau? Ah, carrément, là. 5 x 54, oui. Oui. 250 large. Faire. Et après on va péter l'ancienne carrière. Et tu restes en ville. Comme ça tu fais du genre. Mais il peut se mettre à côté normalement. Ouais, dans la bourse. Ça marche, non? Ouais, mais là je suis bien. Non, mais si tu veux méditer. Méditer pour récupérer tes points. M'en fous, oh, méditer. Un entraîneur. Oh, j'ai pas d'argent. C'est moi qui laisse moi qui à côté. Le cristal à côté. J'avais pas dit que je voulais faire un truc aussi avant. Ouais, ouais, aller embrouiller le cristal. Ok. Avec claquer tes trucs de l'ermite. Ah oui, voilà. Alors on va faire ça déjà. Hop,
Prends peut-être pas la dernière, file-la à quelqu'un. Ouais, ouais, je la filerai à quelqu'un, c'est pour ça. Embuscade. Quoique l'embuscade, elle serait intéressante en vrai. À faire. Busque, hein. 72%, 90%. Ouais, on peut faire quand même un truc. Oh, le cube d'acide de merde. Et bah, heureusement que j'ai fait ça. Allez! J'espère que quelqu'un a la capacité de le ralentir. Non. Mais regarde, tu l'as ralenti. J'espère que quelqu'un a la capacité de lui faire 5 dégâts. C'est bon, ça s'est bien passé. Tu l'as bien défoncé en fait. C'est vrai que ça s'est bien passé. Bah tiens, pars-y, tu vendras. T'es dans la ville. Ouais. Et puis on va retourner dans la bourse de Mimino. Hein? Non, 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 non et non. C'est vraiment, vous voulez vraiment pas explorer quoi. C'est vraiment, c'est beau. Là à gauche, faut aller tuer l'ancienne carrière. Ou même juste là aussi, tu pouvais quand même zoner ça quoi, vite fait. Voilà, c'est temps de voir quoi, parce que t'étais à côté quand même. Et là, tu rentres en ville. Voilà, c'est pas non plus la mort. Voilà. Et au moins, t'as servi à quelque chose. Ouais. Donne le genre art, toi. Oh putain, mais qu'est crevard ce mec. Ouais, et donne-lui le mot de l'érudit. Sachant qu'il aurait pu se payer la pipe du dessus pour avoir un meilleur mot de l'érudit. Mais bon. Faut voir combien va te coûter ton entraînement. Ah, j'allais prendre une barbe de dieu, moi, perso. Donc. Ah, tu peux aussi prendre des barbes de dieu, carrément. Carrément, carrément. Mmh. L'investissement se vaut, hein. Y a pas de soucis. Ah, je suis à 50% de multiplicateur d'or. On adore. Ah, bah voilà, enfin, ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne nouvelle. Attends, 50%. Wow. Ouais. Si j'y vais, en fait, j'y vais seul parce que vous êtes tous trop loin. Ouais. D'accord. Sanctuaire de la concentration trouvée. Quitter. C'était très intéressant. Y aller. Dévoué. Je suis un chat extrêmement concentré, hein. T'es immunité à la confusion. Ah, j'avoue, ça aurait été pratique contre le vieux. Je vais revenir du coup pour ce 10 mimido. Et, ah bah, écoutez, moi j'ai pas besoin. Par contre, par Diva, ce serait bien que tu te concentres vite fait, quoi. Ouais, j'arrive. Comme ça, tu c'est ce que je comptais faire, là. Claque aussi ton mou de l'érudit, là. Faites des choses utiles. Il a fait de la thune, il a fait tellement de thune le salaud. Abri. Ah alors. Ah, il y a un petit abri de la chance là. Ça pour le coup, ben moi je vais les mettre devant parce que sinon tu nous as pas. Mmh. Voilà, c'est la distance max pour ceux qui ont pas le truc. Et vas-y, fais ton truc. Hein. T'es pas allé voir le maître d'armes, voir combien il coûtait le monsieur. Oh, le petit bonus de pex là pour les potes, ça faisait plaisir. Ça fait très plaisir, tu vois. J'ai bien fait de garder un. Par contre, Pardis, si tu veux vraiment pas claquer l'herbe, tu me la files, hein, le bout de l'érudit. Vraiment, si ça vous fait chier de les utiliser, donnez-les moi tous. Hein. Mais non, mais j'allais le faire. Ouais, t'es capté. Ouais, ouais, au tour précédent, ouais. Ah, oh, une fontaine de vie, cool. C'est 131$ l'entraînement. Ouais, bah, je sais pas. Une fontaine de vie, faut courir vite. C'est moi qui cours plus vite. Ouais. Bah, ouais. Sinon, ça part en fight. Bah, ça part en fight. Oh, ça va, elles sont niveau 0. Bloqué, ta gueule, bloqué. Le truc, c'est que le mec fait que des dégâts physiques, donc ça risque d'être très long pour lui. Ah, mais je l'ai même esquivé. Non, mais esquive pas du niveau 0, s'il te plaît. Mais si. Non, parce que je préfère esquiver des baffes de niveau 100, quoi. Pas des niveau 0. Bravo, t'as gagné 6 PO. Voilà. Mais là t'as plus d'armure que lui une frappe donc c'est normal. Ok. Et il y a Manawik encore au dessus, ouais. Tout ça est très intéressant. Alors maintenant comment on fait pour... Ah d'accord, tu as dit. Un 2 de portée, j'espère que ça passe, sinon démerdez-vous. De toute façon l'autre il faut qu'il aille... Oh, moins 5. C'est genre moins 5 là où je suis. D'accord. C'est douloureux.
T'as gagné 15 PV, c'était inutile. Je peux ramasser Axel là. Ouais. Damios. Oui, faut que quelqu'un appuie sur la suite. Voilà. Ouais, ouais, bah j'attendais. Très bien, très bien, très bien. 12-12, oh là. On part sur une poutre. Oh, je vais cramer un peu de points pour toi, mon poulet, quand même. Voilà. Parmi toi, ça va encore. Tu fais oui, je perce l'armure. Est-ce que ce serait abusif pour lui mettre du 47 moins 12. Bah, étant que ton prochain niveau est loin, oui, c'est abusif. On peut quand même encaisser une baffe, faut pas déconner. Je leur défoule le PV. Ah, rien de péter des plombs non plus, quoi. Voilà. On est sous le choc. Voilà. Ça a été quand même rapide, hein, pour. Bah oui. Et encore, si Parti était pas en train de s'abattre, il aurait joué plus vite. Quelqu'un le veut? Non. Je veux bien. Ah bon, t'es sûr? Bien. Oui. Bon, je perds un de régénération de santé qui est quand même très sympa. Tiens d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, ah oui, je peux rien vous donner, vous êtes trop loin en vrai. Désolé. Ce qui serait intéressant, c'est que Shinai, tu viennes me voir après, hein, a posteriori. Ah bah trop tard. Appui d'entraîneur. Appui d'entraîneur. Bon, bah, on va à Manavik. 1, 2, 3, 4, 5. Des cours. Voilà. Alors, Claude et Arty, oui, à prendre, mais d'abord on va regarder ce qu'il y a d'autre. Lampe du Blizzard aussi, ça peut être cool. Lampe du Blizzard, pas assez. Ah, il y a Kourou de Waldrak là. Il y a le bâton de Tu joues tout seul. La couronne royale, la couronne royale. L'épée de Saphir qui fait tellement mal sa mère. Eh non, j'avoue. Mais, je sais, Spet, je sais, mais en vrai, elle fait tellement mal pour une arme à une main. Ah, c'est très rigolo. Ah, c'est moi, très rigolo. Ce que j'aime beaucoup, c'est la couronne royale. Ah, la couronne royale est très très cool. Encouragement, inspiration. Eh, ça, il me le faut en fait. Tu me fais sur un barn, mais t'es. Et c'est quand même un objet qui donne que des trucs de groupe, hein. Donc c'est quand même un objet qui donne 6 d'armure de groupe, 6 de résistance en tout et pour tout, et qui donne 12 d'esquive en tout et pour tout. Et encouragement et inspiration. Et encouragement et inspiration et l'immunité à l'effroi, au passage. Voilà, donc ça, tu prends ça sur le bard, ça veut dire que soit tu peux nous mettre une réussite, soit tu peux faire un échec aux autres. C'est déjà de base. Et l'inspiration, c'est. Mais perdre du talent et de la chance. Ouais, par contre, là, c'est. C'est comme tout, c'est les vrais choix. Mais tu peux toujours prendre un fléau d'ARP, hein, c'est pas perdu. Ah oui, d'accord. Juste immunisé. Je vous le passerai. Et je passe. Oui, parce que du coup, il y en a aucune. Pardon. Allez, on monte à Manavik. Oui, il en a un de fléau d'ARP, si tu me racontes. Ah oui, il en a un, oui, excuse-moi. Celui on fera un deuxième, sera pas perdu, hein, crois-moi bien. Alors, les cimes gelées, on y va pas tout de suite. Moins 5 PV, hein. C'est douloureux, hein. Et on a laissé notre bateau pas à côté, hein. Ah non, j'ai plus de parchemin de. Non, 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 t'as que des chemins de téléport. Bah, je peux toujours utiliser mes parchemins de téléportation pour aller récupérer le machin, hein. C'est vrai aussi, mais bon, ça serait un peu du gaspille. Oui, mais on les utilise pas sinon. Ouais. C'est pour ça que je préfère les vendre pour acheter des parchemins de portail. On achète pas ça là-dedans. Ok. Gros critique, hein. Bah minable, hein. Franchement, c'est pour faire des dégâts pareils. Enfin, il y a mieux de rester chez vous. Pathétique. Et on va les faire encore mieux. Ah. Je n'ai pas vu de défi. Oh. Esquive. C'est pour moi. Alors attends, avant de lancer la suite, je vais juste balancer mon chemin de téléport et mon home de bandit. Et le bandidos. Si, comme ça t'auras de quoi tout vendre. D'accord, pardi, tu me fileras tes bottes de danseur en trop et que. Non, les bottes de danseur, j'ai dit que je les gardais. Ok. Envoie.
D'ailleurs, quand on enchaîne comme ça et que c'est pas. Que tu bouges pas ni rien et qu'on est pas en donjon, tu pourrais te les mettre là justement tes bottes de danseur. Tu perds pas de points de vie entre chaque combat. Pour le dernier combat, tu peux te les mettre. Ce qui compte surtout, c'est que tu les aies avant la fin de ce fight. Je tapais, j'ai pas fait gaffe. Bon, je tapais, mais j'ai pas tué visible. Ça picote hein, quand même. Hein. Sans le perfect, ça picote quand même. Hein. Un poil. Oh. Je pense que je vais partir sur un petit soin de groupe. C'est trop tard. Pas le temps. Ok. Par ici les boulasses. Tiens, fais de l'argent. Fais du genre. Fais de l'argent assez vite. Hein. Attends, laisse-le enfiler ses bottes. Voilà, c'est bon. Ça y est. Vas-y, tu peux combattre. Ben moi je vais partir sur un petit soin de groupe dès le départ, je pense. C'est à 43, il a 39, je suis à 43. Ah, c'est toi qui gère, c'est toi, Ange. Y'en a un, c'est juste un Zico, c'est moi je suis juste un chat. Donc fous-moi la paix. D'accord. Avec tes terroraisons de. But le mec à 34. Ah, c'est impressionnant hein, comme coup. Hein. Mm-hmm. Voilà, encouragement, ça fait ça. C'était cool. Ouais. Mais la distraction, c'est quand même. Quoi ? Mais quoi ? Oh, bah c'est comme moi, hein. J'ai 91 en force, j'ai réussi 1 dé sur 5. Bah ouais, moi c'est ça, 90. Faut vraiment qu'on trouve. Oh, je vais tuer le mage. J'ai pas tué le mage, je suis deg. Mais ouais, du coup, la couronne serait intéressante parce que si t'as un objet d'inspiration, tu pourrais le virer pour mettre, pour mettre autre chose en fait. C'est moi qui ai l'objet d'inspiration. Oui, c'est ce que je dis. C'est intéressant que t'aies du coup la couronne. Ouais. C'est trop sympa. Mais attends, regarde, je suis déjà à 200 là. Oui, mais. On va voir ce qu'il y a en ville. Bah, voilà, je vais acheter les barbes de Dieu, je vais. Voilà. Ça va partir très vite. Mais non, putain de barbe de Dieu là. Toujours, mec. Arrête avec tes pattes. Voilà, là tu récupères 120. Oui, mais avec son riz, est-ce qu'il peut. Je la récupère, vous en avez pas besoin. Ouais, genre le 12 d'XP là, c'est très beau ça. Tiens, tu m'envoies l'argent s'il te plaît. Ah ouais. Un peu loin. Mais tiens, je te donne 6 balles, j'avais 6 dollars sur moi. Oh putain, mec, il y a le mousquet. Il y a le mousquet à 42 dégâts. Bah ouais, mais bon, il y avait pas de ranger dans le groupe. Ouais. Il y a des belles lances aussi, hein. La longue lance d'éclair, c'est pas la plus facile à manier, mais. Le grand bâton d'éclair, aïe aïe, l'écu de fer. Tu le veux pas, t'es sûr? De quoi? L'écu de fer, 102, 4 d'armure, 4 de résistance. Allez. Ouais. Ah, par contre. Ah, mais les, une autre arme, ça aurait été marrant. Ouah. Je crois que la cote de plaque en fer. Cote de plaque griffée, par contre, j'avoue, je veux bien. Du côté un peu sexy, je cache pas. Je cache pas ma petite inspiration pour ce bel objet. Ouais. Mais c'est même pas assez pour. Une barbe de dieu 540. T'avais assez pour acheter l'armure de plaque ou pas? Non, c'est 320. Oh là, eh ben on brouille le squelette d'à côté, on veut pas le savoir, hein. Faut faire de l'argent. Attends, deux secondes avant. 1, 2, allez. Pourquoi la quête d'or ou la quête de l'objet? L'objet étant une légende du silence qui fait plus 5 d'armure au groupe, 5 de force pour putain, toi, mon petit, et moins 4 à vitesse. Oui, mais le problème c'est que j'ai qu'une arme de corps à corps à deux mains. Oui, mais on peut trouver une autre arme. Bah ouais, mais en attendant, il sert à rien. Mais oui, c'est un bel objet. C'est un très bel objet. Ça. On est d'accord, on prend ça. C'est un très bel objet qui, quand même, donne en gros 15 d'armure quand même. Voilà. C'est un très bel objet. Voilà, faudra aller là-bas. Ah bah, de toute façon, faut retourner au bateau. Bah. Quelque part, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Allez hop. Allez hop, hein, on le pète. 42%, c'est 100%. Bah vas-y, carrément. Bah non. Ah bon. T'es pas ranger, visiblement. Non, je suis pas ranger. Oui, tu vas prendre une tête à Kratos. Une deuxième? Non, c'est moi la deuxième. Ah non. Hop là. Il l'a bloqué avec le coup de l'occurrence. Rien à foutre.
Par contre, tu fais gaffe, tu renvoies des dégâts. Aïe. Bah. Je rappelle, j'ai impressionnant de niveau là. Hein. Je rappelle, j'ai 90% de chance de réussite. Aïe aïe aïe. L'ignominie de ce jeu. Je crois que le jeu avait des. Attends, il te met 26. Ouais. Mais attends, t'as vu son épée toi? Ouais. On peut la récupérer? Je veux bien son couteau. Ouais, 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 on peut la récupérer en temps normal, ouais. Surtout qu'elle fait du choc quoi. Du choc électrique sur le couteau. Donne le couteau! Voilà. L'ingratitude. J'ai pas envie de perdre de PV. Allez hop. T'as bien raison. Puis de toute façon, faut qu'on aille au-dessus là. Non! Sim gelé là. Ah non, on y va pas maintenant, Mathieu. Alors, je sais pas pour vous, mais je pense que je. Ah, attends, il y a un parchemin de portail là-dedans ou pas? J'ai pas trouvé. Ah, bah voilà. Excellent! Ah, tu veux te reprendre 100 points d'XP, mon salaud? Bah, et c'est moi qui suis en dernier sur l'XP. Ah non, c'est toi! Bah, je sais. Oupsi. Arrête avec tes pattes! Je commence à retourner vers le bateau. Oh, 3... Ok, 100 points d'XP, 3 de santé max au groupe. Le mec il se met juste trop bien en fait là. Vous avez qu'à explorer, moi je prends du risque hein. Moi c'est l'amour de la risque hein. Je prends tous les risques hein, pour vous hein, je rappelle hein. Tu sais que t'es arrivé au bateau là. T'es presque arrivé au bateau. Je suis presque arrivé au bateau hein. On va aller voir par là. Il est arrivé au bateau. Quasiment, sauf qu'on peut pas passer par là où je suis pour aller au bateau. Ah bah de toute façon moi je peux et pas... Et grâce à moi on a tous plus 3 à la santé max. Alors je vous permets pas. Yes, sachant que par ah, si, donne-moi... Donne-moi. Ah non, non, c'était juste pour ça en fait. C'était juste pour quoi? C'était pour dormir. On s'en fout que tu dormes, espèce d'enfant. Ah, il y a une petite soie de feu là, à récupérer, hein, pour celui ouais. qui a de la vue. Il y a que moi. Très jolie l'animation de la soie de feu qui pousse dans le... Félicitations, t'as réussi à trouver un truc rouge, brûlant et vif de lumière au milieu de l'obscurité. Bien ouais, je... Du coup, tu pourras pas aller au marché nocturne, t'es triste. Totalement. Tu vas pas pouvoir te dépenser tout ce que tu possèdes. Oh, t'es en train de te TP. Et te TP pas là où je suis hein, parce que moi c'est bloqué, hein, je peux pas accéder au bateau par là où je suis. Hein. T'inquiète, hein, regarde, je fais. Du coup, moi je pars sur une exploration solitaire. Bah, je vais me mettre là pour explorer quelques trucs et puis basta. Hein. Voilà. Comme ça, prochain tour, je suis dans le bateau, je pourrais te ramener. Excellent. Excellent. Bon, bah, moi je vais faire de la tunasse. Hein. Ah, tu peux pas, il fait nuit. T'inquiète. Tu peux voir ma grosse embuscade. Voilà. C'est ce qui fait. C'était la marque mortelle en plus. Ah, c'est ce qui est aussi. Ah, un partout. Ah non, c'est ce qui fait. Avec la bouche, c'est ça? Avec le genou. Ah putain. C'est ce qui fait. Ça fait aucun. Ça fait tellement beau, ça. Ça fait pas mal. Ça, ça c'est fait mort. Mal. Et ça fait plus mal maintenant. C'est trop violent. Okay. Cette exploration du Grand Nord en solo, 27 PV Brest. Hein. Voilà. Tu vas perdre des PV. Oui. Mais bon. Ça va être douloureux. Il faut bien en passer par là. Tiens, je t'ai dit que je ferais de la thune. Ouais. Mais masse thune, hein. Putain, t'avais 0 thune, t'as 40$. T'as 48, t'en as presque autant que moi alors que j'ai combattu. Bah, moi c'est juste. Est-ce que tu peux ramasser quelqu'un? Non. On est tous trop loin. Toi, 3 cases. À 3 cases, je peux pas te ramasser. Ouais, c'est moi, je suis trop loin vers toi, t'inquiète pas. Je vais revenir par là. Bah toi t'es très très loin mon vieux. Attends, tu peux peut-être le ramener.
aventure professionnelle ou pas? Yes. Et c'est un donjon niveau 5 en plus. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû y aller. Pourquoi? Parce que maintenant, on va se galérer pour faire le tour pour aller récupérer le bateau. Non, j'ai encore des parchemins de TP. Ouais, mais alors, dans tous les cas, de toute façon, c'est pas bien grave, puisque il faut que tu fasses ta tablette là qui récupère de l'intelligence, excuse-moi, je passe. Et en plus de ça, il faut que tu... il faut qu'on tue l'espèce d'ogre là pour récupérer... ton bouclier. Le bouclier, ouais. Ça va partir sur un fond de groupe, hein. Ouais. Non, ça va là. T'es à 27, mec. Bah, tu me files une soie de feu et ça ira très bien. Ah oui, pas bête ça. Donnez. Qu'est-ce que ça m'a grossi? T'as déjà fait prêt? Oui, t'as déjà fait. Oui. Oh là. Bon, on est dans une grotte de niveau 5, hein. J'attends déjà de claquer tous mes points avant d'utiliser la soie de feu parce qu'elle me rend. Ouais, elle va me rendre 2 points, voilà, c'est ça. Sur les dégâts. Vas-y, tu le tues. Ou pas. Bah voilà. Okay. Merci le jeu. Ah, par contre, il m'a dit, toi, tu prends une grande claque dans ta bouche. Ah non, mais c'est juste parce qu'il avait décidé de mettre au moins une claque. Grosse claque dans ta bouche, même. Ouais. Midlife. Allez, je vais prendre de l'argent. Soigne-toi en mettant de l'argent sur tes plaies. Oui. Exactement. Je vais récupérer. Parce que vous savez pas vous servir de ce genre d'objet. Vous arrivez déjà pas à vous servir de votre ortie d'encens et vos herbes de l'ermite. D'ailleurs, je veux bien un ortie d'encens s'il y a jamais il y a du rab. Parce que je vois que je l'ai filé, mais ça n'a pas été vendu. Merci. Cet épisode fait déjà presque une heure. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin du donjon, on met fin à la vidéo? Ouais, comme ça on fera une petite pause. Genre pour aller manger. Merde, maintenant je suis maladroit. Ça veut dire que je prends mon épée à l'envers pour taper sur les gens. Formidable. Ça fait mal quand même. C'est pas si maladroit que ça. C'est comme Bloqué. Ça que les gens utilisaient les épées il y a très longtemps. Attends, frappe pas celui de Jimmy, j'aimerais essayer un truc. Mais de toute façon, il prend pas le one shot. Très très joli. Ok. C'est ça que t'as essayé? Ouais. Et normalement, t'as une. Un genre de jet parfait, non? Bah non. Ah. Non, j'ai rien. Ouais, je peux taper dessus pour vérifier ta théorie. Hein. N'oublie pas que tu peux claquer 2 points, tu vas pas tarder à passer un niveau. En tout cas, ils viennent de se prendre un critique. Hein. C'est énorme. Ouais. Bah, méga. 76%, c'est 0%. Hein. Donc du coup là 14h c'est Warhammer, c'est ça? Ouais. N'hésite pas à mettre un deuxième point, tu vas pas tarder à passer ton level. Ah, je suis déjà 100% ouais, en mettant un deuxième point. On est pas loin du level, prends de l'argent, ça fait du bien au play. Personne en a besoin? Non, vends cette merde. Vends cette merde aussi. Cette merde qui est quand même pas trop mal, mais c'est de la merde. Plus 4 d'armure et ça rajoute de l'armure à toute la à tout le monde. Ouais. Mais en on va pas se mentir, il est moins bien que ton bâton chèvre. Mon bâton chèvre, ouais. Oh, il est beau lui. Il est beau. Ah, tiens, je te donne mon argent là. Boutique. Ouais. 3 barbes de dieu. Attends, je regarde pour toi si je te prends pas la masse d'armes de choc.
Ouah, faut beaucoup trop de succès. Ah, en vrai, alors non, parce qu'elle faut autant de succès que pour la mienne, et elle fait deux dégâts de plus que la mienne, en sachant que c'est une arme à une main. Voilà, c'est pour ça que je te propose. Donc oui, clairement. Clairement, ouais. Du coup, plus, attends, je te renvoie. Hop, je déséquipe, bah je vends, et je te renvoie 14 balles. Bien que tu m'envoies tout de suite la masse. À part ça, t'en sinon, sinon, tu vas t'en prendre un coup de masse. T'as pas encore le bouclier, calme-toi. Ouais, mais j'ai quand même gagné 2 dégâts. Et je peux pas. Je peux pas. Tu peux pas acheter quoi la bourse de Mimi, tout ça me vénère. Ouais, non, mais là, à ce stade-là, elle coûte très cher, c'est pour ça qu'ils les mettent en quête. C'est... Là, c'est mort en fait. C'est... T'oublies, tu peux plus les acheter. Pour ma part, c'est bon. Ok. Pas de plume dorée pour personne. Personne n'a envie d'avoir 5 esquives. Ok, d'accord, ça marche. Bah, je n'ai plus de faux. Hein. Ok, ça marche. Et bah, on est bon. Tirons-nous d'ici. La génération. Au revoir, monsieur le gobelin. Merci, d'ailleurs, je comprends pas dans ce jeu. On peut jouer des chats, des morts vivants en skin, etc. Mais on peut pas avoir un skin de gobelin. Marchand gobelin, trop stylé. Test ma boss. Trop bien. Il faut prendre des décisions, Pardy. Ah, il est pas là, il était occupé. Ouais, bah les gens disent que la vidéo est beaucoup trop longue, là. Ils sont en train de se plaindre. Ouais, mais c'est pas grave, ils sont contents. Je suis en train de négocier avec eux pour pas qu'ils pètent un procès. Oh oui! Excellent! Elle est remboursée! Excellent! Ah, cool! Par la vente. Une merde à vendre. Allez, on va. Belle merde à vendre en plus. Une très belle merde à vendre. Un crystal pâle. Oui. Comment ça XP. Voilà voilà. Et moi, t'es carrément passé devant nous. Je crois, ouais, je crois que je vous ai un peu roulé dessus. Alors. J'étais le dernier en XP. Je suis passé en premier. Alors que j'ai pas utilisé une herbe de l'ermite. Hein, je rappelle. Hein. Utilisé une herbe de l'ermite. Attends. Le bateau est bloqué. On peut pas aller le récupérer en fait. Pourquoi? Ah oui, on est baisé. Excellent. Bon, on sera bon pour en acheter un nouveau. Ah mais attendez, avant faut qu'on se fasse le campement d'ogre là, niveau 6. Ouais, mais ce sera dans une autre vidéo. Bah, oui. En fait... Non mais, des bisous YouTube. Bisous YouTube.